Facebook, vous ne pouvez temporairement plus commencer de nouvelles conversations jusqu'à aujourd'hui, 9h33 et 9h21. Si vous pensez que ceci ne va pas à l'encontre des règles de la communauté, dites-le nous. Alors je vais leur dire un petit truc, forcément. Alors, une amie. Me demande d'aimer une page, je le fais, lui envoie un message. Vous le bloquez. Il faut payer. Point d'interrogation. Sélectionnez tout. Copier, oui, parce que comme ça, je vais référencer ailleurs, puisque ça ne va pas apparaître. Merci d'avoir fourni votre commentaire à propos de cette expérience. Superbe expérience, vous ne trouvez pas? Pouf, 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 blocage. Voilà, et après, il vous envoie vers une page dont on n'en a rien à foutre. Facebook, on n'en a rien à foutre. Mais on l'utilise parce que c'est un espace promotionnel. Ah oui, si les gens n'y allaient pas, j'irais pas non plus. Forcément, on s'est tous créé un profil, alimenté de nos mots, photos, vidéos. C'est notre identité virtuelle, faut qu'elle brille. Enthousiasme pour de prétendus réseaux sociaux. Bizarrement, soudain, plus aucune réaction. On nous conseille de booster nos publications. On leur donne notre temps, veulent aussi notre pognon. Kafka, reviens. Décoder, ça t'attrape, couillon. Visiblement, il existe des recherches acrostiche Facebook, mais aucun acrostiche visible. Le lettre K posa sûrement des difficultés aux poètes, youtubeurs, acrosticheurs.